Hey Frenchies, alors bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais manger KFC. Alors je me suis pris un bucket pour une personne à 8,95 des Hot Wings. J'ai pris pour 2,95 des Onion Rings, pour 2,95 un Crunchy. Et dans mon menu j'avais une cobette au lieu des frites. En boisson j'ai pris un Pepsi Max. Par contre, en regardant, le gars il s'est foutu de ma gueule. Regarde. Normalement c'est censé arriver jusqu'ici, sauf que quand on regarde bien, ça arrive ici. J'en ai pas bu, ça s'est pas renversé dans le sac. Il se fout de ma gueule, il se fout de ma gueule. Ça arrive ici au lieu d'arriver ici. Bref, je suis dégoûtée. J'ai pas vérifié pendant qu'ils me l'ont donné, donc voilà. Je vais commencer à manger. Aujourd'hui, il n'y a pas de shout-out, il n'y a pas de courrier du cœur, il n'y a rien. Je vais juste faire mon blabla et je vais vous parler un peu. Je vais vous faire mon blabla et puis voilà. Alors, regarde-moi ça. Je le trempe dans la sauce originale. Le gars il a détourné mon attention. Je voulais de la sauce originale. Sauf que bah il m'a proposé mayonnaise ketchup. Je lui ai demandé sauce originale en plus. Il me sort oui. Seulement si t'arrives à bien négocier ça. Genre normalement c'est payé en plus je pense. Donc je peux t'en donner normalement si t'arrives à bien négocier ça. Après il me dit est-ce qu'ils sont beaux mes yeux. Je dis ouais ils sont beaux vos yeux. Il a les yeux bleus. Du coup il m'a mis deux sauces originales en plus. Quand il me tend le paquet, j'ai vu sur sa main il avait un tatouage ici. Je fais ah nice le tatouage. Il m'en rajoute un troisième. Donc trois sauces originales. Les deux qui sont là, plus celle-là qui est ouverte. En vrai, de vrai, il était bien son tatouage. Sauf que maintenant que j'arrive à la maison, je veux visiter le tout pour faire ma vidéo. Et non. Le truc, il arrive là. Au lieu d'arriver... Là où il est arrivé. Bon. Moi qui voulais vraiment avoir beaucoup de Pepsi Max, t'as vu. Je suis contente parce que sur mon boîtier maintenant, avant je voulais regarder Wakanda Forever ou Wakanda 2. Mais je pouvais pas parce que il était pas encore sorti. Il était au cinéma mais il était pas encore mis sur les plateformes. Là maintenant qu'il est mis sur les plateformes, sur mon boîtier, il y est. Du coup je vais pouvoir le regarder. Regarde-moi ça. Magnifique. Magnifique. Tu sais que t'es belle toi. Franchement, vous me connaissez, hein. Vous savez que ça là, c'est mon point faible. La manière que c'est bon, je pourrais aller au KFC juste pour en commander 4 des comme ça. C'est une tuerie. C'est trop bon.
Quand je vais au KFC, je prends jamais les burgers. Donc là, je me suis dit, je vais tester le petit crunchy là. Il est pas cher, il est petit. On va voir ce que ça donne. Il y a quoi dedans? C'est quoi cette sauce là? Et à commencer. Il y a quoi en bas? Du fromage. Rien. Hein. Voyons voir. J'ai eu qu'un petit bout de viande comme ça, un petit. J'ai pas eu la sauce. Attends. Je vais reprendre une bouchée. Là, il y a de la sauce et il y a de la viande, donc je vais croquer là. J'ai l'impression de manger du pain avec que de la sauce. Leur poulet est tellement petit, on sent que la panure, on sent pas qu'il y a de la viande en fait. J'ai pas le goût de viande dans la bouche. Voilà. En croquant là, oui, j'ai eu de la viande. Aujourd'hui, il y a un monsieur qui est venu faire du porte-à-porte. Ce qu'il vendait, ça avait l'air vraiment intéressant. Du coup, j'ai pris. Il m'a montré plein de trucs. En fait, il recycle les bouteilles en verre en faisant des lampes. Genre. Il les étire. Alors, il y en a certaines qui les tirent. Il y en a d'autres qui soufflent. Il met des petites lumières dedans. Tu sais, les petits fils de lumière là. Il met un bouchon avec pile qui est relié à la lumière. Et on peut allumer et éteindre. Je vais vous montrer. Donc. Ça. Ça a l'air bof comme ça. Mais franchement. Je sais pas si vous arrivez à voir. C'est une bouteille Coca-Cola qui a été entièrement. Ça a été entièrement recyclé. Ils rajoutent des petites décos là à l'extérieur. Il y avait plusieurs couleurs, mais j'ai demandé celle-là. Ils rajoutent des petites couleurs avec des fils de fer. Il les tire, il les tord et puis il les manie comme il veut. Il a tiré une petite bouteille en verre Coca-Cola qu'il a tiré, qu'il a donné en forme. En fait, il a chauffé et puis il a tiré. Et je trouve que ça fait beau. Une petite lampe comme ça là. Mais là, comme il fait beaucoup jour, vous pouvez pas voir, mais comme il me l'a montré, c'était un peu dans le couloir, c'était un peu sombre. Ça faisait plus joli. Donc la nuit, je vous montrerai dans le vlog, je vous montrerai comment ça fait de nuit. C'est hyper beau. Donc voilà, j'ai kiffé. C'était 10€. Je me suis dit, bon, c'est pas cher, ça recycle et puis ça l'aide dans son petit commerce. En plus c'est beau, donc pourquoi pas. Donc voilà, j'ai acheté. En vrai là, je suis fatigué. Je suis fatigué à un point. C'est pas possible.
Aaron se bougea là. Oui, je suis fatigué à cause d'Aaron. Le gars, hier, j'ai aux enfants, allez-y dormir. 21h. Hein. Allez-y dormir. Il tourne, il vire, il tourne, il vire. À un moment, il vient dans ma chambre. Comme d'habitude. Réveille en sursaut. Il dort sur mon dos. Mais en fait, sa manière de dormir sur le dos, c'est pas genre il s'allonge. Non. En fait, ce qu'il fait, c'est que je suis allongé comme ça. Il met son petit corps ici, là. Et sa tête est posée, tout le haut de son corps est posé sur mon dos. Mais des fois, quand il dort, il bouge. Souvent. Il me pousse au bord. Et comme il est sur mon dos, bah, je le sens sur mon dos qui est en train de chavirer pour tomber dans le vide. Du coup, de 1, il est lourd. De 2, il me coupe mon sommeil. Et de 3, je me réveille en sursaut pour essayer de le remettre en place. Et quand je prends son petit corps, que je le mets dans son lit, le gars, une heure ou deux heures après, il revient. Genre, le gars, il revient à la charge. C'est la première fois que je prends ça et franchement, c'est hyper sec. C'est hyper méga sec. Je le reprendrai plus. Bon, dernier morceau. Après, j'ai plus faim. Là, point. Point. Bon, je vais vous dire bye. So, guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est juste là pour recevoir, toutes les notifications. Je vous aime tous très fort. Bye.